Wow! Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyansubal. Merci de vous tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche de Morgan, surtout pas nos prochaines vidéos. Et en cliquant sur Nyansubal, vous aurez accès à nos pages d'accueil, vous verrez trois autres chaînes. Il s'agit de Nyansubal 2, Nyansubal 3, Yanks TV. Hier, nous avons fait de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez jeter un coup d'œil, vous serez même surpris. Et ici, nous avons là, nous vous raconter quelque chose de terrible que j'ai découvert aujourd'hui sur internet. Un homme, en rentrant chez lui, il a trouvé dans le frigo de sa mère un bébé congelé. Mon Dieu! Un bébé, bien évidemment, qui est déjà mort, mais qui est congelé. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui ne sont plus comme nous. Parce qu'ils sont tous des trucs. C'est les pailles noires. C'est ce qu'on appelle les pailles noires. Les contrats chelous. Qui les lient même aux démons ou encore aux mauvais esprits. Bon, ça peut vous faire peur. Mais ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. On voit ça, on entend parler souvent de disparition d'enfants. On entend parler de choses terribles ici, de satanisme, de crimes rituels. C'est en ce moment-là, nous allons vous dire, mes frères et sœurs, faites attention. Ne soyez pas des gens qui, dès qu'ils voient une personne dans une nouvelle voiture, se disent « Ah, c'est extraordinaire! Oh, si j'avais cette voiture, cette personne est bien! Oh. » Ne soyez pas de telles personnes qui disent. Déjà, toi, tu vois une personne qui passe avec une voiture de lui, tu te dis « Oh, c'est extraordinaire, j'aimerais avoir ça aussi! Oh. » Mon frère, si tu ne sais pas comment le gars a fait pour avoir cette voiture, ou si tu ne sais pas comment la fille a fait pour avoir cette voiture, ne dis rien, laisse ça comme ça. Si c'est pourvu que toi tu aies la même voiture que lui, tu pourras l'avoir. Mais nous allons te dire qu'il y a des trucs terribles qui existent. Des trucs même plus terribles qui existent. Où des gens se baladent avec des voitures de luxe. Mais à l'intérieur de ces voitures, souvent, ils se baladent avec des cadavres. Juste des cadavres. Oui. Tu vois un gars qui passe à une voiture. Fit tété. Quand tu te dis que c'est une voiture, tu peux même l'apprécier. Mais à l'intérieur, il y a un corps humain qu'ils vont utiliser pour faire le rituel. Un jour, un homme qui allait quelque part, c'est-à-dire en plein marché, il est arrivé avec une marchandise qu'il devait livrer à quelqu'un. Et dès que cette personne est arrivée là, vous devinez quoi? Il a été appelé par une personne. Une personne de classe en haut. C'est-à-dire une personne qui vit bien. Une personne qui a de l'argent. Parce que cette personne avec une voiture 4x4 même. On peut dire une 4x4, une fille teintée. Et cette personne l'a appelé. Quand cette personne l'a appelé, lui aussi, bon, il s'est approché, il n'a pas eu peur. Parce que, puisque cette personne est bien habillée, il ne pouvait même pas se douter qu'il y avait un problème. Cette personne l'a appelé, elle a salué. Et ce dernier s'est fait passer pour une connaissance à sa famille, genre un frère à son père, et il lui posait même des questions. Il a salué, il a tendu la main,
Les deux se sont salués. Mais il y a un truc qui pouvait apparaître. C'est que ce jeune homme-là, il a tendu la main à ce dernier. Et pendant que les deux sont se saluent comme ça, là, il lui pose des questions. Et il lui regarde direct droit dans les yeux. Comme s'il cherchait à avoir un truc. Comme si il y avait un problème. Même le jeune était étonné. Il dit, mais ah, on se salue, ça va maintenant 2 minutes. Là, c'est ma main. Mais il me pose des questions. Est-ce que ton papa va bien? Est-ce que tout le monde se porte bien dans la famille? Il dit, oui, tout le monde va bien. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Il dit, je suis une connaissance à la famille. Donc, tu veux me dire que tu ne me connais pas? Bon, comme si cette personne avait été aussi bien équipée, avait une voiture, tout ça. Donc, bon, il se disait que c'était normal. Mais à un moment donné, ce dernier a laissé sa main et lui, il est parti. Maintenant, pendant qu'il partait, voici que cette personne va le rappeler. C'est-à-dire cet homme-là va le rappeler. Et il va lui poser des questions. Vous-même, vous serez surpris par la question qu'il va lui poser. Il le regarde et il lui dit, est-ce que tu es protégé? Et comment ça, est-ce que je suis protégé? Est-ce que tu as une protection? C'est-à-dire, est-ce que tu as une magie? Tu appartiens à quelle branche occulte? Il dit, mais moi je suis un chrétien, tout ça je ne connais pas. Il dit, tu es vraiment un chrétien. Le jeune était même étonné. Il dit, mais je suis un chrétien. Il dit, c'est que ton Dieu que tu adores, là, que tu pries là, il faut le prier toujours. Parce que là où je suis arrêté là, on m'a demandé de sacrifier les gens. Et tu vois la bague qui se trouve dans ma main là, effectivement il y avait une bague dans sa main. Il dit, quand j'ai cette bague là sur mon doigt, toutes les personnes que je salue, je captive leur esprit et je les mets dans ma voiture et on va les tuer, on va les sacrifier. Tu vois la voiture 4x4 qui est là-bas là? Voilà. Nous sommes en mission. Nous devons tuer des gens. Et tu dois remercier ton Dieu parce qu'on t'a pas eu. Sérieux? Mes frères et sœurs, quand cet homme-là l'a laissé, il fallait voir maintenant le jeune en train de courir. De même courir. Ah! Il a vu sa mort en direct comme ça. Mais il n'est pas mort. Tu vois ta mort en direct, mais tu ne meurs pas. Ça m'étonne. Oui! Quand cet homme a quitté là, il est même allé à l'église pour remercier Dieu même. Parce que il a échappé à la mort. Et voici que le gars. Waouh! Et voici que le gars. Il est dépassé. Il a même reçu ce témoignage-là à l'église. Et c'est quelques temps plus tard. Il a fait cette vidéo-là et nous sommes tombés là-dessus. Peut-être que sur le tour de témoignage, on pourra faire ça en mode témoignage puissant. Mais ce sont les choses qui existent. Si toi tu as envie, lève ta main, le chef vous dit merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils sont en vie. Tu vois les gens, les grosses voitures. Toi tu les envies. Oh, ce qui est à l'intérieur là, ça te dépasse. Oh, ce qui est à l'intérieur là, ça te dépasse. C'est étonnant. Et voici un autre homme aussi. Lui, il a rencontré une fille. Tout de suite, les deux se sont aimés. Mais lui, son problème, c'est qu'il n'avait pas tous les moyens. Elle avait les moyens. Elle travaillait déjà. Elle avait même une voiture. Et elle a décidé de le soutenir. Comme elle l'aime, elle s'est dit,
tout ce que je t'aime, je peux te soutenir. C'est dans cette situation-là que il s'est retrouvé chez la fille. Mais quand lui est arrivé chez la fille lui a dit que tu es arrivé chez moi, c'est extraordinaire. Je t'aime bien. Mais voici ce que je vais te donner comme règlement. C'est pas compliqué. C'est juste simple. Si tu fais ce que je te demande de faire seulement, il n'y a pas de problème. Il dit, il n'y a pas de problème, mais il faut tout me dire, il n'y a pas de souci. Et regarde la fille et lui dit, tu sais, dans cette maison, il y a plusieurs frigos. Elle regarde cet homme et elle lui dit, tu sais, dans cette maison, il y a plusieurs frigos. Mais il y a deux frigos que toi, tu ne devras pas toucher. Et qu'il y a deux frigos d'eau à ne pas toucher. Mais est-ce que je pourrais moi utiliser un frigo? Il n'y a pas de souci. Tout ce que tu as besoin, tu pourras trouver seulement le frigo principal qui se trouve là. Mais les deux autres frigos qui sont de l'autre côté, fais comme si tu n'avais jamais vu. Ne les touche jamais, ne les ouvre jamais. Fais juste ce que je te demande et tout se passera bien. Et il n'y a pas de souci. Il s'est dit, il n'y a pas de souci, tout est bon. Puisque c'est un bel souci. Et elle lui octroyait tout ce qu'il désirait. Tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il voulait. Elle lui donnait tout. Il sortait le matin, il allait se chercher un peu, voir comment il allait faire pour s'en sortir. Mais la fille le soutenait financièrement. Il ne manquait de rien. Maintenant, voici qu'un jour, va venir où cet homme-là, par curiosité, comme Adam et Ève, il va lui ouvrir le frigo. Il essaie de voir même ce qui se trouve dans le frigo. Et voici qu'il va arriver là-bas. Et il va maintenant ouvrir le frigo. Et il va maintenant ouvrir le frigo. Et il va faire la même expérience que l'expérience qu'on vous a expliqué même au début de la vidéo. Et c'était que et ce qu'il a vu dans le frigo, c'était la même chose comme on vous l'a dit. Mais lui, il a vu le corps humain. Tout ce que vous pouvez trouver dans un corps humain, que ce soit femme, homme ou femme, il a trouvé là-bas. Un pied, des oreilles, tout. Wow. Dès qu'il a vu ça, il a tout eu peur. Même si c'est vous, vous avez peur. Il a tellement eu peur qu'il a réformé le frigo tout de suite. Il a fait comme si de rien n'était. C'est comme s'il était traumatisé même. Lui-même, il se posait la question de ça, mais comment est-ce que lui, il en vit pendant qu'il y a la tête ici et par là. Et voici comment il est sorti prendre de l'air. Il avait même l'idée de s'enfuir. Mais il est revenu juste là à la maison parce qu'il s'est dit que bon, s'il fuit, peut-être qu'elle va l'attraper, elle saura les choses. Donc, il a préféré ne pas fuir et rester juste là. Quand la femme est arrivée, bon, de toute façon, elle n'est pas censée savoir qu'il a ouvert le frigo. Donc, il est resté calme, il a gardé son calme et il a observé la situation. Mais qu'elle est arrivée, tout de suite qu'elle est arrivée, la question qu'elle lui a posée c'est, mais pourquoi as-tu ouvert mon frigo? Pourquoi as-tu ouvert mon frigo? Ah! Il était même surpris. Comment est-ce que j'ai ouvert son frigo? Il était étonné. Comment se fait-il que tu as ouvert mon frigo? Puisque tu as vu ce que tu voulais voir. Maintenant, je vais te montrer où je travaille.
Voici comment cet homme-là, il a subi la femme de Jésus qui a subi. Et elle a mené dans un lieu terrible. Et là-bas, quand vous arrivez à cet endroit-là, vous voyez personne dans la salle, mais elle vous dit qu'il y a des gens qui travaillent avec elle. Et les gens qui travaillent avec elle, ils sortent du mur sur une chaise comme ça. Ils n'ont pas les pieds. Mais ils marchent quand même. Et c'est ce qu'il allait voir, c'est ce qu'il allait rencontrer là-bas. Et cette expérience l'a même propulsé jusqu'à dans le monde des sirènes, dans le monde des sirènes. Et il est arrivé dans ce monde là-bas et il voyait des gens en train de tirer sur les miroirs. Et il tirait sur le miroir et il s'attendait à ce que quelque chose se passe. Mais en fait, quand il finissait de tirer même, après, il riait, il rigolait, c'était comme de la rigolade. Et quand ce homme est arrivé, il lui a demandé lui aussi de tirer sur le miroir avec la flèche. Et il a pris la flèche et il hésitait à tirer. Il a posé la question, mais que va-t-il se passer si il tire sur le miroir? Il leur dit, si tu tires sur le miroir, la personne que ça va toucher va mourir. Et c'était la rigolade pour eux. Si tu tires sur le miroir, la personne que ça va toucher, elle va mourir. Et il dit, ils en rigolent même. Comment c'est possible? Et il devait le faire. La personne qui est apparue sur le miroir, dès qu'il a tiré sur le miroir, il a vu que cette personne marchait tranquillement. Hein. Et dès que lui il a réussi à tirer sur le miroir net, cette personne est tombée dans la rue là-bas. Et tout de suite, elle est morte. Et les gens disent, ah, c'est une crise cardiaque. Les gens de ce monde, ils ont attribué cette mort-là à une maladie, quoi. Et ils lui ont demandé plus tard d'avaler un serpent python qui dépassait lui-même sa taille. Ça, nous ne pouvons pas même vous faire sans mot de témoignage puissant parce que c'est un truc. Un témoignage qui a été fait sur écrit, on a lu ça dans un livre. Peut-être dès qu'on va trouver la technologie qui nous permettra de transformer cela en audio, nous allons vous porter ce témoignage là pour que vous puissiez voir. Mais c'est un truc que j'ai vu il y a très longtemps. Et moi j'étais attiré par cette expérience. Il n'est pas terminé, même il n'a pas lu la deuxième partie. Mais ce que j'ai pu voir, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Je préfère me limiter à là parce que je n'ai pas vu autre chose. Et c'est réel. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître même étrange. Cet homme a pouvoir se libérer de cette femme. Vous pouvez même imaginer ce qui va se passer plus tard. Les gens, quand ils voient des personnes qui ont de l'argent, qui sont riches, ces gens se disent, ah, j'aimerais comme telle personne. C'est pas mauvais de chercher à réussir. Hein. Ou c'est pas mauvais d'avoir quelqu'un comme un mentor, quelqu'un que vous voulez suivre. Mais le problème c'est que tout le monde n'est pas ce que vous êtes. Vous croyez qu'ils sont. C'est des gens qui sont déjà dans un autre monde, qui sont parmi nous. Ils ont toutes les dernières voitures sorties. Ils ont toutes les dernières maisons, les dernières technologies. Mais ce qu'il faut pour avoir tout ça, c'est Dieu celui qui connaît. Faites très attention. Comment une personne va ouvrir son frigo et trouver de même le frigo un bébé là-dedans? J'ai vu ça tout de suite. Dis à ton ami qu'à côté, ça c'est quoi son corps? Dis à ta femme qu'à côté, ça c'est quoi son corps? Que Dieu nous pardonne nos péchés, que Dieu nous pardonne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, nous devons apprendre à faire vraiment plus attention
qu'avant. Et chercher Dieu plus que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Abonnez-vous et soyez prêts. Nous venons de nous réveiller. Dieu va nous aider. Abonnez-vous sur notre chaîne de Facebook. Allez voir.